Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour crocheter ce sapin. Alors celui-ci, je vais l'appeler en aller-retour. Parce qu'on va juste faire des allers-retours, que des mailles serrées, et crocheter sur le brin arrière. Je vous mets dans la description le lien pour crocheter cette petite étoile, si vous voulez l'agrémenter. Donc vous aurez juste besoin d'une laine pour faire le sapin, et de laine marron pour le tronc, ainsi qu'une aiguille, et je crochette en 4. Donc on va démarrer tout de suite. Je pense que je vais vous laisser mes notes comme dans un précédent tuto. Parce que vous allez voir, c'est très répétitif. Donc j'ai pas envie que la vidéo dure longtemps pour quelque chose où vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul par la suite une fois que vous avez compris. Donc nous allons démarrer avec 16 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et 16. Et dans ces mailles, nous allons faire 15 mailles serrées, parce qu'on ne crochète jamais la première. Donc, 15 mailles serrées tout le long. Je vous laisse arriver jusqu'au bout. Et on se retrouve pour le rang numéro 3. Donc, j'ai mes 15 mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais faire à nouveau 15 mailles serrées, mais je vais travailler que sur le brin arrière. Alors, pour ceux qui sont vraiment débutants, je vais vous montrer. Donc là, bon, je vais déjà faire celle-là parce que ça va être moins pratique. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, vous avez votre maille serrée. D'habitude, on pique en dessous, donc ça nous forme un V, d'accord? Vous avez le brin avant qui est toujours devant vous, et donc le brin arrière qui est de l'autre côté. Donc là, nous n'allons pas piquer dans le V complet, nous allons piquer que dans le brin arrière. Donc, que le brin qui est au plus loin de nous, d'accord? Donc vous faites vos 15 mailles serrées, mais que sur le brin arrière. Voilà, vous faites ça tout le tour, tout le rang. Et à partir de ce rang-là, du coup, tout sera à chaque fois sur brin arrière. D'accord? Même les diminutions. Je vais vous montrer, parce qu'on va travailler en diminution. Donc, même les diminutions seront sur brin arrière. Donc, je vais vous montrer quelques tours. Et une fois que vous aurez bien compris comment ça fonctionne, je vous montrerai directement mes notes. Ce sera plus facile pour vous. Donc, munissez-vous d'un stylo, d'un papier, comme j'écris dans la description. Comme ça, vous pourrez également prendre des notes ou de faire arrêt sur image, faire pause, comme ça. Vous aurez la suite. Donc là, en tout cas, on se retrouve donc à la fin du rang numéro 3, 15 mailles serrées dans brin arrière. J'ai fini mon rang numéro 3, donc 15 mailles serrées, brin arrière. Je fais une maille levée, je tourne. Et c'est à partir de là que ça va être répétitif. Donc là, je vais faire une diminution. Donc je prends que mon brin arrière. Je prends l'autre d'à côté. En fait, je fais une diminution pareil, mais que sur le brin arrière, en fait. Hop, je passe mon fil et donc je fais ma diminution. D'accord? Donc une diminution. Ensuite, je fais 11 mailles serrées. Et à la fin, je refais une diminution. Donc, vous obtiendrez à la fin du rang numéro 4, 13 mailles serrées. J'arrive à la fin de mon rang numéro 4. Je voulais vous remontrer pour la diminution. Donc, je prends mes deux brins arrière sur mon crochet.
Je passe mon fil. Voilà. Comme ça me permet d'avoir toujours le dessin. On croche sur le brin arrière pour obtenir en fait cet effet de relief. Parce que vu qu'on croche sur le brin arrière, et ben, ce qui reste du brin devant, ça nous apporte du relief. Ok? Donc là, je vous ai dit, j'ai 13 mailles serrées. Je fais une maille levée. Et donc tout simplement, je vais faire 13 mailles serrées. Toujours sur le brin arrière, hein, surtout. Hein. Vous n'oubliez pas, c'est tout le sapin qui se crochette comme ça. Donc là, je fais 13 mailles serrées pour le rang numéro 5. Pour éviter de vous tromper, vous pouvez recompter à chaque fin de rang. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Donc là, on a 13 mailles serrées, rang numéro 5. Rang numéro 6, je fais une maille en l'air, une diminution. J'attrape mes deux mailles, j'ai failli me tromper. Hop, je passe mon fil et je fais ma diminution. Donc je fais ma diminution et je fais 9 mailles serrées. Et je fais ma diminution à la fin. D'accord? Une diminution au début, une diminution à la fin. Et donc là au milieu, j'aurai 9 mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin du rang numéro 6, nous obtiendrons 11 mailles serrées. D'accord? Et donc pour le rang suivant, donc qui sera le rang numéro 7, voilà. Vous l'aurez compris, vous crocheterez directement vos 11 mailles serrées dans le brin arrière. D'accord? Donc je vous laisse faire votre rang numéro 7. Voilà, donc là j'ai 11 mailles serrées pour le rang numéro 6. Rang numéro 7, vous crochetez donc 11 mailles serrées, d'accord? Et je vais vous montrer, donc je vous laisse prendre des notes, alors que je cadre bien. Voilà, donc j'espère que vous allez bien voir. Donc, nous en sommes. Hop, nickel, là vous voyez tout. Donc là, nous avons fini le rang numéro 6. D'accord, nous obtenons 11 mailles serrées. Rang numéro 7, que 11 mailles serrées. Rang numéro 8, une diminution. 7 mailles serrées, une diminution. On obtient 9 mailles serrées. Donc le rang 9, on fait 9 mailles serrées. Rang numéro 10, on fait une diminution. 5 mailles serrées, une diminution. Donc on obtient 7 mailles serrées. Donc rang 11, 7 mailles serrées. Rang numéro 12, on fait une diminution. 3 mailles serrées, une diminution. Donc on obtient 5 mailles. Donc rang 13, 5 mailles. Rang 14, une diminution, une maille serrée, une diminution. Donc on obtient 3 mailles. D'accord? Donc moi, pour le mien, je me suis arrêtée ici, à mes 3 mailles. Pour celui-ci, donc je vais vous retrouver à la fin du rang 14. Comme ça, je vous montre. Non, à la fin du rang 15, pardon. Vous aurez fait vos 3 mailles serrées, d'accord? Et comme ça, je vous retrouve pour faire une diminution, pour vous montrer comment faire une diminution avec les 3 mailles serrées. Ok? Donc, je vous laisse faire pause, prendre une capture d'écran ou prendre des notes. Et donc, on se retrouve à la fin du rang 15. J'ai fini mon rang numéro 15. Donc, j'ai 3 mailles serrées. Donc, soit vous arrêtez comme moi, voilà, parce qu'après, si vous mettez votre petite déco, voilà, ça ne se verra pas, hein. Ou soit après, donc vous finissez vraiment pour faire la pointe. Donc vous faites votre maille levée. Et donc vous allez prendre en fait les trois en même temps. Deux et trois. Ensemble. Ok? Donc vous retrouvez avec votre boucle et les trois brins arrière. Vous passez votre fil. Hop, dans les trois. Et voilà, comme ça vous avez votre pointe de sapin. Ok? Donc moi, voilà, si vous avez déjà regardé de vidéos, j'ai l'habitude de faire tout de suite ma chaînette. Donc je fais toujours entre 15 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15. Bon, vous faites comme moi, vous regardez ce que ça donne si vous voulez plus long. Bon, je vais m'arrêter à 15 pour celle-ci. Hop, et je vais repiquer là, dans le bras arrière que j'ai utilisé. Hop, je vais juste faire une maille coulée, et comme ça après je vais pouvoir faire la couture avec... Enfin, pas faire la couture, mais cacher mon fil, quoi. C'est ça que j'appelle faire la couture. Ah, j'ai pas passé tous mes fils. Le problème quand on prend des jolis fils mais qui ne sont pas pratiques. Donc hop, vous passez là. Et vous ressortez pour faire une maille coulée. Bon, bah ça veut pas. Hein. Ah, ça y est, faut persévérer. Persévérons, persévérons. Je coupe un bout. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous choisissez votre devant, votre derrière. Voilà votre côté le plus joli. Et nous allons cacher le fil. Donc moi, je vais prendre celui-ci pour cacher le fil. Donc vous mettez votre fil sur votre aiguille. Hop. On cache le fil et après, je vous montre comment faire le trou. Alors, on passe dans les alors dans des mailles comme ça au début, bien droite. On va sortir ici. Donc moi j'aime bien faire en deux fois. Je sors droit, j'accroche bien, je regarde que ce soit invisible. Parfait. Et du coup, après, je vais directement sur le côté. Comme ça, je suis sûre que mon fil ne va jamais partir là. Sinon, il faudrait qu'il fasse des prouesses de gymnastique. Hop. Alors, quand vous passez dans votre aiguille, dans les mailles comme ça, sur le côté, faites attention que l'on ne voit pas de l'autre côté. Et voilà. Je coupe et j'ai fini. On fait pareil pour le bas. Est-ce que je vais réussir à attraper le fil doré? Hop, donc, même punition. Donc là, c'est le départ de mon nœud coulant. Hop. Donc là, je vais le cacher comme ça. Donc je remonte. Oui, c'est par ici. Donc pareil, hein, vous mettez du même côté. Je remonte. Hop. Je tire, mais attention à pas trop remonter pour éviter de déformer votre sapin. Donc là, on est bien. Et après, vous passez sur le côté. Je fais ça à chaque fois pour toutes les coutures. Il n'y a jamais rien qui est parti. Ça, c'est vraiment, je vous conseille de faire comme ça. À chaque fois que vous avez des fils à cacher, faites comme ça. C'est impossible que ça s'en aille. Hop. On tire bien. Vous remettez bien en place votre travail. Hop. Vous coupez, pas trop à ras. Et là, en fait, vous pouvez. Là, mon fil est ici. Vous voyez, vous pouvez tirer dessus. Donc, ça va glisser peut-être sous la première. Hop. Mais après, voilà, le reste est impeccable. Donc, voici pour notre petit sapin. On va passer au tronc. Donc, je prends le marron. Donc là, je vais compter les mailles. Il est où mon début? Donc,
J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze. D'accord? J'ai 15 mailles serrées. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ok? Parce qu'on avait 15. Donc là, on laisse 5. Je pique dans la sixième. Et après, je vais faire une, deux, trois, quatre, cinq mailles serrées. D'accord? Donc, je trouve ma sixième, je pique dedans. Je prends mon fil, je le ressors. Je laisse un petit peu dépasser, on va le cacher. Je fais une maille en l'air. Et tout de suite, je fais une maille serrée dedans. Hop, donc une, deux, trois, quatre. Et 5. Voilà. Vous avez fait vos 5 mailles. Je prends mon crochet. Je fais une maille levée. Maille en l'air. Là, vous pouvez couper tout de suite votre petit bout qui va vous, hop, énerver. Et là, vous faites encore 2 tours. De 5 mailles serrées. J'oublie pas de piquer dans la première. Alors après, vous faites soit seulement 2 tours, soit vous faites 3 tours comme moi. Ça dépend de la laine aussi que vous utilisez, si elle est plus grosse ou plus fine, hein, voilà. J'ai gardé mon crochet de 4. Hein. Vous voyez, vous pouvez regarder. Moi, je vais quand même en faire un autre. Des fois, ça m'arrive hein, de faire un autre, puis non, j'aime pas, donc je redéfais. Ok. Il n'y a pas de... Comment dire? Un tuto, ça se suit, mais après, on a toujours nos petites manies, nos petits arrangements, si je peux dire. Hop. Et voilà. Donc là, je finis. Je coupe. Donc là, pour cacher mon fil, je vous montre une dernière fois. C'est la partie souvent que les youtubeurs, ils oublient, les créateurs. Donc je retrouve mon envers, je vois mon bout de fil là qui dépasse. Donc hop, je pique. Donc là, c'est la maille que je viens de faire. Ok, donc je pique juste dans la boucle du dessous. Dans l'autre. Je fais attention de ne pas déformer. Et je repars dans ce sens. Faites attention à ne pas trop sortir votre aiguille pour pas que ça se voit de l'autre côté. Bon, après, le fil est de la même couleur, hein, mais... Hop. Et je tire et j'ai fini. Voilà. Vous retirez un petit coup pour bien que tout se place. Et voilà le sapin que nous avons réalisé ensemble est terminé. Donc, comme je vous expliquais en début de vidéo, pardon, vous pouvez agrémenter de la petite étoile dont le lien est dans la description de la vidéo. J'espère que ce petit sapin aller-retour vous aura bien plu. N'hésitez pas à liker ou commenter pour m'aider à m'encourager et je vous dis à bientôt.